Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gameki. Et on se retrouve les gens aujourd'hui pour la suite de Pokémon Let's Go. Donc l'épisode 2 de ce Let's Play qui s'annonce interminable. Et on voulait commencer la vidéo tranquille. Et là on a vu un petit Nidoran. Et en fait on a capturé un Nidoran fameux juste avant. Et là il y avait un Nidoran, on s'est dit bah carrément on va avoir Nidoking et Nidoqueen. Voilà. Du coup on veut capturer ça. Faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces de les gens. Et à nous suivre pour la suite du Let's Play. Voilà. On a fait un bien là. Non, on a fait un excellent. Non, on a fait un bien, je crois. C'est juste que comme on l'a lancé pile pour en même temps, on a eu une animation. En tout cas, on est très content de ce jeu. Faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus pour ce deuxième épisode. Le premier épisode est dans la description si vous voulez le revoir. Voilà. Du coup, c'est cool parce que. Regardez, du coup, on a Nidoran femelle. Ouais, on a Nidoran femelle et du coup, on va avoir Nidoran mâle. Donc Nidoking et Nidoqueen. Et c'est stylé parce que ce sont des Pokémon qui sont très puissants et qui sont vraiment cool. En plus, c'est des types sol et tout. Et c'est des choses qu'on aura forcément besoin au bout d'un moment. Et ça m'étonne de les avoir trouvés aussi facilement, mais tout est bon à prendre et tant mieux, comme ça on les a. Vous voyez ici, il y a beaucoup de ratata. Et du coup, je suis toujours là, Guillaume aussi, avec son petit Pikachu sur l'épaule. Donc on va revenir Sur la route numéro 2. Voilà, et puis on va aller dans la forêt. Est-ce que tu veux changer de Pokémon et jouer avec Nidoran? On va garder Roucoule parce que pour les insectes, le vent, c'est le mieux. Et puis surtout qu'il faut monter de niveau parce qu'il va vite monter en Roucoule. Attends, viens. C'était quoi? Ah, c'est un Nidoran. Ah, tu veux qu'on capture pour en avoir un autre? Ouais. Parce que ça se trouve, et là, vous allez voir, il y a un truc qu'on n'a pas montré la dernière fois. Donc, il y a le poids, effectivement, et en fait, il peut et être... la taille. Il peut être plus puissant. Vas-y. 1, 2, 3. Pas mal. On lance tous les deux en même temps, donc on a un bon effet. L'effet de capture à deux est Après, vraiment le très problème, c'est qu'on utilise deux Pokéballs. Bon, si le seul inconvénient de jouer à deux, c'est d'utiliser deux Pokéballs, c'est pas grave. Hein. Oui. Donc, Nidoran, et là, vous allez voir... On sait pas s'il est plus puissant que l'autre. Pikachu! Niveau 5, niveau 9, donc c'était un bien. Pikachu niveau 9. Double pied! Eh bien oui, carrément, on va oublier. C'est combat double pied, ouais, c'est ça. On a vu. Bon, Mimikyu. Voilà. Nous, on est bourrin. Hein. Sur les Pokémon, on est grave. Il n'y a pas de stratégie dans ce Let's Play, genre, on va être des gros bourrins. Ah oui, nous, il n'y a pas, aucune stratégie. Bon, après, si, au niveau. Oui, quand même, les faiblesses. Quand même, les faiblesses et tout, ça, mais sinon. Nidoran femelle monte, et donc là normalement, armure, voilà, eh bien c'est encore plus bas que le Nidoran qu'on avait déjà eu, parce que regarde, il est en flèche jaune vers le bas, donc il est encore plus petit celui-là. Donc il faudrait qu'on le vire quoi. Bah au pire, ça peut être toujours des Pokémon qu'on garde pour les échanges futurs ou autre quoi. Oui, donc voilà, donc on a capturé, je pense, ces Pokémon qui étaient à capturer, c'est-à-dire Nidoran et mâle et femelle. Je pense qu'ils vont être vraiment ici sur cette route, la route 22. On retourne à Jadiel et puis on va aller vers le haut. Voilà, et puis on va aller... Merci. Au pire, ça te TP si t'es pas Oui, je sais. Sur la route numéro 2. Donc là, on l'avait vu un petit peu. Il y a des aspicots normalement ici. On était allé jusque là et après. Comme a dit Kim, faut hésiter à s'abonner pour suivre le Let's Play. Ce sera tous les jours, les gens. On vous le répète parce que pour bien que ça rentre dans votre petite tête, que voilà, vous en aurez longtemps. Alors peut-être qu'il y en a qui ça va décevoir parce qu'ils sont Mais pas fans de Pokémon. Il y aura toujours une deuxième vidéo dans la journée. Il y aura toujours une deuxième vidéo avec un autre jeu. Donc d'ailleurs, Donkey Kong Tropical Freeze. Et puis d'autres jeux qui seront toujours là, bien sûr, avec les jeux indépendants sur PC, avec les jeux sur Switch, jeux, plein de trucs. Ça. Vous verrez bien. Et du coup, on se retrouve dans la forêt de Jade. Et puis les box, bien évidemment. Ah là, donc là, il y a plein de Pokémon. Donc là, il va y avoir plein de. Oh là, il y a Bulbizarre! Il y a Bulbizarre! Va chercher. Non! On s'est pas attaqué par un Roucoule! Je veux Bulbizarre! Je veux Bulbizarre! Il est trop beau. Non, on s'en fout! Par! Je suis recouillé. Ah non, mais va-t'en. Bulbizarre! Il est trop beau. Du coup, ce sera notre starter. Ouais. Bulbizarre! T'es trop mignon. Ça va bien d'un shiny. Ah, il est trop stylé. Du coup, il est très proche. Ouais. Alors, fais gaffe. Attends. 1, 2, 3. Ah, il est jaune. Oh, excellente. Ah, mais il est jaune, hein, donc il peut ressortir. Hein. Ouais, on a vu Bulbizarre, les gens, premier starter. Ah, on aura peut-être choisi celui-là en plus. Moi, j'aime beaucoup Bulbizarre. Oui, oui, on aura peut-être choisi celui-là. Donc voilà, il est fallu. Oh la vache. Mais c'est un puissant. Eh ben oui, oui, oui. Ah, par contre, il va être dans la boîte. On retourne le chercher. On va aller retourner. Bah, attends, on fait déjà. On fait quelques combats. On fait quelques combats. Ouais, non, s'il va pas monter de niveau. Eh ben, on va retourner le chercher. On va retourner le chercher. Il apprend Acide. Ratata monte niveau 6. Il apprend Vive Attaque. Qu'est-ce qu'on peut. J'ai raté Mystère, désolé. Parce que c'est un type feuille aussi et c'est rien d'avoir deux types feuille. Ouais, c'est vrai qu'on a plein de types normaux, mais. Je pense qu'on va aller. Mais non, vire Roucoule. Ah ouais, mais quand on recoupe, c'est pas mal. On monte trop de niveau là. Oui, oui, ça monte trop. Mais c'est au début en même temps. Au début, c'est normal. Darmenin. Ouais. Oui. Ah, on a fait un excellent, c'était magnifique. Bulbizarre, les gens. Ah, je m'attendais pas à voir Bulbizarre. Et puis il était jaune, donc il doit pas être si facile il que ça. Et en plus, il est gros. Oh, le pauvre, tu le traites de gros.
Ah, il est trop beau. Il est trop mignon. Bah, du coup, il est moche après quand il est en Florizarre et tout, mais bon. Bon, on va aller chercher. Ça se trouve, on a eu de la chance. Je sais pas. Je sais pas. C'était à ce moment-là qu'on avait fait la démo, hein. La démo, on l'avait fait ici, à partir d'ici. Et je me souviens pas d'avoir vu de bulles bizarres. Si, je crois qu'on avait vu un bulles bizarre. Non, peut-être pas. C'est les jambes. Genre, on a attrapé bulles bizarres. Mais tu sais pas jouer à Pokémon ou quoi? Faut utiliser les trucs pour sauter. Ouais, mais normalement ils sont pas comme ça en fait. Comme ça en 3D, hyper beau et hyper bien. Et ben non, mais en fait, on te rend pas compte pas que tu veux. Ouais, t'as l'excuse. Du coup, c'est toi qui joues avec Bulbizarre? Oui. Bulbizarre. Et du coup, si je change mon premier Pokémon, et bien Pikachu est sur mon épaule et se trouve, il y en a un qui est derrière. Bah, comme ça, le PC, c'est où? PC. Non, c'est dans le sens. Ah oui. PC. PC. Oh tiens, salut toi. N'hésite pas à consulter les magazines rangés. Enfin, ah ouais, c'est des trucs pour avoir des astuces. Ah oui, c'est peut-être faut parler à elle. Non. C'est pas grave, on va les soigner, ils vont être contents. Ouais, ouais. Salut Pikachu. Allez, va dans ta Pokéball. Elle a bien dit PC. Envoyé dans la boîte. Oui. La boîte est sur nous. Peut-être. Ça se trouve, la boîte est sur nous. Bah oui, comme t'es en Pokémon Go. Équipe. Non. Ah oui, boîte Pokémon. Ah ouais. Ah ouais. Ah, bah c'est vachement bien. C'est vachement bien, un clan dans l'équipe. Ah, c'est vachement bien. Ah, c'est vachement fluide, du coup. Ah ouais, c'est cool. C'est cool. Ah, bah, on est vraiment des guignols. Mais voilà, c'est comme ça, on... Non, mais comme ça, au moins... Eh bien, on a vu comment ça faisait. Ouais. Oh, yes, Bulbizarre. Est-ce que... Je veux juste voir un truc. Juste pour un test. Oui. Ah oui. Déplacer. Ah, c'est ça. Sortir la Pokéball. Ah. Ah, et du coup, quand j'en remets un, toi, t'en as un. Ah. C'est parce que Pikachu est allé. Voilà, c'est ça, du coup que... ça enlève. Ah oui, d'accord. Il faut que j'en mette un et t'en as un. Donc, du coup, on en a plein. Ah, il y a Bulbizarre. Bah attends, yes. Là, te mettre Bulbizarre quand même. Parce que toi, t'as... moi j'ai déjà Pikachu. Du coup, il faut que je sorte. Bah Nidoran. Attends, non, c'est pas ça. Non. Je peux pas sortir Pikachu du coup. Bon, ouais, je vais sortir un Nidoran, tiens. Nidoran mal. Pour voir, il est pas mal. Sortir un Pokéball. Et du coup, toi, t'auras Bulbizarre normalement. Ben non. Il fallait le déplacer. Il fallait le déplacer. De quoi? Non, t'as eu Roucool. Pourquoi t'as pu Roucool alors j'en ai sorti? Parce que, en fait, vas-y, remets. Ah, t'as celui d'après. J'ai celui d'après, comme il n'y en a pas d'après. Bah, ouais, mais le problème, c'est que si je le change de place. Oui. Bah, tu mets des places à la place de Roucool. Ah oui. Et tu mets ton. Voilà, comme ça, tu auras Nidoran, toi. Ouais, voilà, j'aurai Nidoran. Parce que si je le mets pas en deuxième, tu l'auras pas quand tu joueras. Vas-y. Ouais, ah, Nidoran Bulbizarre. Ouf, ouf. Ouais. C'était ton petit chien. Ah, c'est stylé, par contre, Bulbizarre il est un peu lent. Hein. Ouais, il est un peu lent, moi je flûte avec Nidoran. Mais en même temps, il est gros, j'ai dit qu'il était gros. Ouais. Ah, yes, on a un Bulbizarre, les gens, ça fait plaisir. Alors, mais attends-moi. 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 Non, je m'en vais. Adios. Je sais même pas où je suis. Bah, salut. Ça te téléporte si tu sors. Oui, bah, voilà. Ouais, mais du coup, je perds. Ah non, c'est bon. Non, t'as Nidoran. Oui. C'est trop mignon. Ouais, c'est trop mignon. On a Bulbizarre. Bulbizarre. Alors, du coup, on va faire des petits combats. Vas-y, ouais, on bah, se premier. Ah non. Ok. Non, ah non, c'est ses amis. Coconfort. Coconfort, bah prends, non? Il attend. C'est quoi le bruit là? Bah c'est Bulbizarre. Non, c'est Coconfort. Chenipan. Ah, Chenipan, t'as vu? Ah oui, c'est-à-dire qu'il est gros, je crois, non? C'est-à-dire que c'est un gros Pokémon ou je puissant. Crois que c'est un Pokémon puissant quand il a une aura autour de lui, c'est quand ça? Quand il a une aura, c'est que ça l'identifie. Donc il y a ça, il y a aussi le côté shiny, on les voit directement. Oui, c'est doré. On va l'exploser. Tin. Du coup, t'as Bulbizarre. Ouais. Du coup, tu dois avoir Foliane. Voilà, on va l'exploser. Hein. À niveau 4, on va gagner peut-être un petit peu. Attaque. À toi. Qu'est-ce qu'il a? Foliane. Cool. En plus, il a une petite attaque herbe dès le début. Bon, objectif, les gens, c'est d'avoir... Super, j'ai rien eu à faire. C'est d'avoir... mince. Herbizarre. Oui. Je pense qu'il va être très beau. Et puis comme ça, on va avoir notre première évolution. On va essayer d'avoir Herbizarre. Peut-être pas dans cette vidéo, parce non, que ça va être un peu short. On jouera bien sûr entre pour monter nos Pokémon de niveau. Ouais, mais on essaiera de faire les évolutions en vidéo pour les Pokémon oui. Stylés. Est-ce que moi je vous propose d'aller voir le Chenipan? Ouais, bah, va voir le Chenipan. Parce qu'on en a ouais. pas et puis voir ce que ça fait en différence. Ah, taille mini. Donc là, c'est ceux qui sont tout minuscules. Qui sont différents. Ouais, différents.
Tu le veux? Bon, on va le prendre, ouais. Je sais pas si c'est rare. Go. D'accord. Heureusement qu'on est dans. Attends, j'y vais tout seul sinon. Vas-y. Go. Quoi? Vas-y, à toi. Faut faire chacun son tour sinon. Attends. C'est bon, je l'ai eu. Enfin, peut-être pas. Parce que chacun son tour, du coup, on perd moins de Pokéball. C'est ouais, bon, c'est j'ai bon. Eu. Bah, c'est un petit niveau, mais du coup, il était jaune, donc mais peut-être ouais. qu'on va gagner plus d'XP sur les Pokémon comme ça aussi. Peut-être, on va voir. Tu vois, bonus multiplicateur, 4,8, donc 48 points d'expérience. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, ouais. Roucoule niveau 9. Donc, on monte vraiment beaucoup d'expérience en attrapant les Pokémon, ce qu'on n'avait pas avant. Ouais, il y en a pas mal qu'on dit, ouais, du coup, les gens vont se contenter de faire que des captures. Bah, ça laisse un autre axe de jeu. Hein. Si t'as pas envie de fermer les combats, bah tu fais des captures et puis hop, tu gagnes. Et puis tout le monde gagne direct des XP. C'est ça. C'est casualisé, les gens, faut pas se leurrer. Hein. Faut pas voir le côté complètement. Ah, du coup, XS. Il a le tag XS. Je sais pas à quoi ça sert, mais on va le garder. Ouais, bah. Il est mignon. C'est notre premier Pokémon XS. Il est trop mignon. Dites-nous, les gens, si vous en savez plus que nous. Bah, c'est vrai que comme on s'est pas spoil du tout et. Ah, il y a une Pokéball, non? Ouais, une Pokéball, c'est quoi? 5 Pokéballs. C'est pas mal. Il y a un Crisacier. Ouais, mais moi, je serais presque... Bah, on a un Chenipan. Je serais presque d'avis de prendre que les Pokémon qui nous paraissent vraiment différents au niveau des auras, au niveau des couleurs. Si tu veux, mais... Ou les Pokémon un peu rares comme Bulbasaur. Tiens, on va prendre lui. Ah, là-bas, il y a un rouge. Ah oui, donc ça se trouve, c'est un XL. C'est un gros. Est-ce que c'est un XL? Il va dire... Time Maxi. Donc c'est un XL quand c'est rouge. Vas-y, on va essayer tous les deux. 1, 2, 3. Super. Soupa. Bon, ça fait une belle animation. Et du coup, on va voir, parce que là, on avait fait 4,8. Ouais. Multiplicateur, est-ce que là, avec un super, on gagne pas plus d'expérience, justement? En double, on regarde. On va voir ça. Parce que c'est le même... 7,9. Ouais, c'est 74. Bien donc... joué à Guillaume d'avoir passé si, 74 au lieu de 48. Oui, oui. Pour le même Pokémon. Ouais, donc vaut mieux prendre le rouge. Faut mieux prendre... Non. Mais non, c'est parce qu'on a fait un bon lancer. On a un multiplicateur de lancer. Ah oui. Combo capture 2. Continue comme ça. Si on capture plein de jeux qui prennent. Non, si on capture du premier coup à la suite, ça se trouve. Et t'as vu, regarde la différence entre le XS, c'est 0,19, le L, c'est même pas un XL, c'est un L, 0,38, et par contre en kilo, il fait le double. Ouais, il y a trop mangé au McDo le truc. Hein. Ouais, c'est un gros chenipan, hein. Il mange des frites, il doit traîner pas loin des McDo et puis il mange des frites qu'il y a par terre. Hein. Tiens, il y a un Aspico qui est bleu. Est-ce qu'on continue? On va continuer sur le lancer, je sais que c'est pas. Ça nous permet quand même de monter de niveau. Ah, oh, il y a un Nidoran. Non, c'est le nôtre. Et par contre, tu peux avoir peur avec ça, tu fais. Oh, il y a un Pikachu! Ah non, c'est le mien. Taille mini. Vas-y. 1. Non. 1, 2. Attends. 1, 2, 3. Super! Donc bien, la même bien. Chose. Donc, est-ce qu'on va avoir un combo capture x3? Bah, peut-être, ouais. On va voir. Je vais pas cliquer. Ah, je vais pas cliquer. Je vais sortir. 7,4. Nouveau Pokémon, super lancé, capture au premier lancement, capture synchro et taille. Voilà. Donc 74. D'accord. Aussi parce que c'est que du très lourd qu'on a fait quoi. Ouais. Niveau 11, niveau 8. Niveau 8, ce Bulbizarre. Bulbizarre, mon niveau 8. Et il apprend. Rien. Mon niveau 9 pour Nidoran. Ah oui, bah double pied comme Pikachu. Ouais. Tu on va faire quoi oublier Mimique. Mimique, ouais. On nous a dit, c'est du bourrin. Non, mais c'est pas des grosses attaques de baisse de défense, on fera ça plus tard. Et c'est vrai que pour le coup, à deux, on pourrait jouer plus stratégique. Oui, toi qui fais baisser la défense, ouais, ou moi, ça. Et après toi tu tapes. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. À deux, c'est pas mal. Donc c'est un nouveau, et lui c'était un S. Ah, c'est pas un XS, c'est un S. Donc c'est un petit, mais pas le plus petit possible. Par contre, on n'a pas eu de combo capture. En fait, combo capture, c'est quand tu captures toujours le même Pokémon. Toujours le même Pokémon. Genre à la suite, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux faire une contre un dresseur? Allez, il y a un Aspico rouge. Ça t'intéresse ou pas? Non. Non, d'accord. Une Pokéball. Moi, je cherche les trucs. Un petit champi. C'est un Pokémon? Alors, Guillaume et moi, on n'a pas du tout la même conception de jouer à Pokémon, non? Pourquoi? Bah, parce que moi, je capture tout. Attends. Mais il y a un Pikachu, là. Mais c'est un Pikachu! Ah ouais, je le capture, je te le donnerai. Mais non, mais tu l'auras, alors. Ah non, ça se trouve, t'as des éboli, toi. Ah, peut-être, ouais. Allez, on va capturer un Pikachu, les gens. Ah, je vais capturer toi. 1, 2, 3. Excellent. Bien joué. Est-ce que là, du coup, comme on a fait un excellent et pas un super, on va pas avoir encore plus d'XP?
C'était 7,4. Ça se trouve, lui va donner beaucoup. Hein. C'est un gros Pokémon comme Bulbizarre. C'est pour ça qu'il faut les capturer, ceux-là. Ouais. Ça lui donne beaucoup d'XP. 102. Ah ouais, pas mal. 102, ah donc ouais. C'est encore mieux, tu vois. Hop là, niveau 9. Ah la vache, ah, c'est pas mal. Bien. Du coup, on va monter vite de, ouais, de niveau. Vite de niveau ouais. Et du coup, la reine avec Pierre, elle va pas être trop difficile, je pense. Et ce qui est bien, c'est que Bulbizarre, bah, il est efficace contre les types roches. Ouais. Avec Folian. C'est ça. Double pied, toi aussi. On va lui enlever aussi. Enlève. Du coup, on XP un peu les mêmes Pokémon, mais. Ouais, on pourra XP de l'insecte, je sais ouais, pas. Ouais, mais on fera ça dans. De, soit de notre côté, soit dans des prochaines vidéos. Moi, j'aime beaucoup les données d'orange, j'ai envie de les faire XP, et puis Roukoul sera toujours utile. Roukoul sera toujours utile. Bah non, mais Roukoul. Bah, on Pikachu, ah, il est plus gros que le mien. Ah ouais. Ça, le gros. Il est mieux. Non, il est pas mieux. S'il était XS, il sera mieux. Ah, il y a un Chrysacier rouge. Ah ouais, bah, est-ce que tu peux aller dedans, toi? Ça fait quoi? Non, moi, ça fait rien. Ça fait sauter. Bon, on va le prendre. Hein. Donc là, on est en mode capture, les gens. C'est normal. Il y aura des passages plus capture. Ah. Mince. Je croyais qu'il y allait. Ah, comment tu joues Pikachu? Là, il y a des gens qui jouent à deux, et puis au final, il y en a qui jouent tout seul, et tu te dis, ouais, ok, super. En plus, c'est ma partie, je veux pas dire. Ouais, au moins, tu l'as eu premier lancé. Ouais. Ah, yes, 12. Niveau 12. Niveau 10 et niveau 11. Oh, on va monter grave vite. Reflet, ça augmente sa vitesse ou son esquive, je crois, c'est ça. Vive attaque, on l'a vu. Tu vois, on voit à côté l'arbre de sa spé et tout. Ouais. Non, pas vive attaque, vive attaque, c'est plus. Oui, non, mais. Ouais, en fait, il y a des côtés de Pokémon Go, mais avec le RPG de Pokémon Jaune. Bah, en fait, les gens, non, c'est surtout que c'est un gros RPG comme les vieux Pokémon, comme les Pokémon qui sont sur DS, sauf qu'il y a des petits côtés Pokémon Go. C'est ça. Et voilà. Et je trouve ça bien, parce que justement, on n'est pas arrivé sur Switch avec simplement un Pokémon un remake, lambda. Voilà. Voilà, avec rien de spécial. Justement, pour ceux qui sont. Bah, il y en a pas mal quand même qui sont pro Pokémon Go et qui jouent tout le tour à Pokémon Go, et c'est vrai que ça ramène ça aussi, tu dis ah c'est pas pour rien que j'ai joué, et puis en même temps ça rajoute quelque chose de plus récent et de vraiment actuel à Pokémon. Et dans la façon de jouer aussi. Voilà, tu vois la motion elle est utile et du coup c'est marrant de capturer quoi. Et puis on verra, vous verrez les Pokéballs. Du coup on l'avait pas eu, c'est un L, ce n'est pas un XL mais c'est un L, bon c'est bien. Je sais pas si c'est utile ce qu'on fait, mais bon ça fait gagner de l'XP, hein. on va pas rechigner. On va faire le petit tour, on va faire lui, on l'a pas fait. Ouais, on va, et puis après on va continuer vers l'arène. Comme ça on fait aussi un bien, peu de Pokémon. Ça sera bien de faire l'arène dans cette vidéo. Oui. Ça va voir être rapide. Pierre. Ouais, je sais pas comment on va avancer les gens, je pense que ça va être un let's play qui va être quand même assez long. Oui, bah après on avancera à notre rythme aussi. Oui. Bon, le bizarre. Mais pourquoi il sort de la Pokéball alors qu'il est déjà sorti? Bah, il sort deux fois de Pokéball. Il aime bien. Tiens, je vais mettre un petit double pied dans la face. Je vais voir l'animation de l'attaque. Vas-y. Et toi, t'as eu quoi? Ah, t'as eu Vampigraine, c'est pas mal, Vampigraine, ça va être joli. Si tu veux lancer des petites graines, ça pousse, ça fait. Tu gagnes de la vie. Ouais, c'est simple. Ah, mais double. C'est pas très efficace. Non. Ah, c'est joli. C'est joli, hein. Et donc là, tu vas la récupérer de la vie en fait. C'est ça. Pourquoi il est toujours moi? Oui, mais j'ai toute ma vie. Mais du coup, je lui fais baisser sa vie. C'est ça. Et en même temps, ça t'en rendait un petit peu. Ouais. Bon, on va faire un truc plus rapide. Vive attaque, voilà. C'est vrai que c'est pas très efficace ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. C'est juste. Charge, vas-y. De toute façon, c'est un gros noob de niveau 3. Oh là là! Pauvre Espico! T'as voulu m'attaquer, c'est ça? Donne-moi ton argent et va-t'en. Non, il donne des Pokéballs. 11 XP, ouh! Et comment on gagne de l'argent alors? Et si, il donne de l'argent et des Pokéballs. Ah, il donne les deux. Toujours des Pokéballs, c'est très important les Pokéballs. Ah ouais. C'est là où on voit le côté Pokémon Go. C'est que c'est très important les Pokéballs. Bon allez, viens, on va faire l'arène. Ouais. Esquive. Oh non. On l'a pas fait lui. Non, on n'a fait aucun. Mais si, on en a fait déjà celui du début. Non, celui du début, c'est pas un combat. On en a fait deux alors. C'était le deuxième, là c'est le troisième. Ouais, mais ça, c'est des noobs. Ils ont des petits chenipans, Aspico, niveau 3, niveau 4. Du coup, comme c'est très facile d'XP les Pokémon, je trouve que la difficulté est vraiment basse, quoi. Après, c'est le début. C'est le début. C'est le début. Dans n'importe. Bah, moi, dans ceux que j'ai fait, les récents Ultra Lune. Vas-y. Lune et. N'oublie pas que c'est toi qui joue aussi. Oui. Lune et tout, et c'est très rapide de monter le niveau au début. Je ne sers à rien. Si, à l'arène, tu serviras.
Oui. Et du coup, je monte 11 d'XP. Ouh. Du coup, faut me capturer là pour le coup. C'est vrai que la capture du coup est pas liée à ça et c'est vachement bien parce que du coup. T'es pas obligé de faire des combats sur combat sur combat. Parce que les combats c'est bien, ça va 5 minutes quand même. Bon, je vais esquiver lui. Voilà. Tente-toi. Yes. Donc là, confort, on s'en fout. Ça, on pourra revenir nous de notre côté. On va être obligé de le faire. Ouais. J'aurais dû passer à l'intérieur sinon. Bon, c'est pas grave. Tu sais qu'il y a des bulles bizarres dans cette forêt. Oui, ouais. On en a un. Allez, c'est on en a vu qu'un seul, hein. Oui, on en a vu qu'un seul. Ça se trouve, il y en a un. Bah oui. Sinon, elle aura pas dit Amandine. Ça. Non, ah non, Nidoran femelle. Là, je pense qu'ils sont un petit peu rares. Du coup, Nidoran est gros, alors que dans les Pokémon, t'as le souvenir qu'il est petit. C'est vrai. Tu vois, il fait gros en fait. C'est toi qui est gros. Tu vas te calmer, ouais. C'est pas toi de cliquer. Là. Ouais, je sais, mais du coup, je clique vite parce que sinon, tu vas me hurler. Mais non, mais c'est pas grave, hein. Oh, comment tu vas le victimiser? Non, de toute façon, il est mort. Je suis à 12, il est à 4. Non, oh là. Il est pas mort, donc mon follet, Yann, sert à quelque chose. Même si c'était pas très efficace. C'est pour l'animation, c'est joli, hein. C'est ça. 22, c'est un peu mieux. Voilà. On monte pas beaucoup de niveau, puisque là, c'est des combats qui sont quand même très en deçà de notre niveau actuel. Bah, en même temps, et pourtant, on n'a pas joué entre les deux vidéos, les gens. Non. Donc voilà, ce qu'on vous dit, c'est assez simple. Après, voilà, c'est pas le but que ce soit difficile dès le début. Non, ça c'est sûr. Ah oui, là. Ah si, il y a un truc. Il t'a fait coucou avec ta queue? Ouais. Pikachu? Ouais. Là, peut-être aussi? Derrière l'arbre? Non, il y a rien. Oh, là. Ça, c'est bien. Chenipan. Bah, de les voir, ouais. Ouais, ça, c'est vraiment bien. Oh, y a un Pikachu. C'est un Pikachu femelle. C'est un Pikachu femelle. Ah oui, il a la queue différente. Oh, c'est un Pikachu femelle. Et puis ça fera XP pas mal. Allez, 1. Attends, il s'énerve. 2, 3. Oh là 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 là. Table là. Sam des dresseurs Pokémon. Accompli. Accompli. Il va sortir du Pokémon. Les gros loups. Attends, on a fait un excellent Cimaire. Cimaire. Du coup, 126 XP. Cool. Niveau 10, Bulbasaur. Bulbasaur. Eh, j'ai bientôt devenir un air bizarre. Et du coup, est-ce que je vais pas pouvoir du tout avoir Evoli et toi tu auras pas du tout Pikachu, je pense. Mais du coup, j'en ai pour toi. Ouais. Tu m'enverras le femelle. Oui, si tu veux. Il est joli, du coup la queue est différente, c'est marrant. Ouais. Du coup, je t'enverrai un Evoli. Ah, comme ça, dans la déversion, on pourra faire... Ouais, je me disais que j'avais pas lancé. Mais là, c'est bon, après, c'est la sortie. Bah, la reine, je pense qu'on la fera dans la prochaine vidéo. Hein, parce que le temps d'arriver là-bas, de soigner un Pokémon... C'est vrai. Après, on va voir, comment c'est à l'intérieur. Oui, on peut voir... Pierre. La fillette. Non, non, merci, ça va. Quoi? Laisse la musique plutôt que toi qui chante. C'est incroyable, c'est très 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 beau. C'est très beau et ça fait plaisir de faire Pokémon, quoi. Et surtout à deux. Et puis, faut pas oublier quand même, on l'a pas noté, c'est que la première génération, c'est le best, quoi. C'est vrai, c'est vrai. C'est quand même que des Pokémon best, quoi. Emblématiques de Pokémon, les plus emblématiques. Les gens vont dire, mais non, il y aura pas Dialga et tout, alors que moi j'adore. Bah ouais, mais... C'est la Pokémon, première génération. The first. Je peux pas tester, quoi. Bon, et du coup, on a eu de la chance d'avoir un Bulbizarre, parce qu'il y en a pas d'autres. Donc on a capturé un Bulbizarre, c'est ce qui se passe dans cette vidéo, je pense. Oh là 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 là. Le plus important. Non, non, il y en a plein, c'est super long, la forêt. Attends. Voilà. Un flacon de parfum. Pour Pikachu. Ça se trouve, pour qu'il sente bon et qu'il soit content. Ah. Du coup, il n'y en avait pas beaucoup des gros. Non. Voilà, alors, un dernier combat. Oh, il y a un Pikachu. Ouais, mais attends, Pikachu. Ouais, 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 c'est bon, ça va 5 minutes Pikachu. Pas mal d'XP. Hein. Bah, pour le coup, on a vu plein de Pikachu, les gens. Et ouais, bizarre, au final, je pense qu'il est un petit peu rare. Quand même. Du coup, moi, je vais avoir des Evoli à la place des Pikachu. Il y a de fortes chances, alors t'as Pikachu. Et en fait, c'est juste le début qui change. C'est juste le début qui change, ouais. Ah, c'est cool de trouver des bulles bizarres quand même. Ce bulle bizarre, il fallait qu'on en trouve un, il est beau. Du coup, moi j'aurais sans doute Carapuce ou Salamèche. Bah, l'objectif dans notre équipe c'est d'avoir Pikachu. Bah, les 150 ou les 151. Non, mais dans notre équipe c'est d'avoir Pikachu, Raichu. Ou Raichu, voilà. D'avoir Florizarre, Dracaufeu et Tortang, quoi. Bah oui, bah oui. Boum. Le gros bulle bizarre. Ça va faire mal quand il fait une charge bulle bizarre. Hein. C'est gros. Bon, le pauvre, arrête de dire qu'il est gros, ça fait 3 du moins 6 fois. Je le répète.
je le répète. 5000 au scout. 36 pokédollars quoi. Et 3 pokéballs encore. On n'est pas rendu pour avoir de l'argent. Et donc, on continue notre route. Et on sort de la forêt abandonnée et des... Ah, il va nous parler le monsieur. Salut. Bonjour, toi. Bonjour monsieur. Plus un Pokémon possède de PC, plus il est fort. Donc voilà, comment calculer PC As-tu remarqué les arbustes sur la route? Le TS tranchage permet de les couper. La TS. Non, c'est une CS. Normalement, c'est une CS. La capsule et c'est spéciale. C'est pas tranchage? Si, c'est tranchage. Je crois que c'est coupe. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh là! Oh, Aspico, ouais, c'est nul. Recoupe, allez vous dans les recoupes. Je regarde juste ce qu'il y a, parce que je sais que ça charge petit à petit. Une Pokéball? Non. Allez, toi, tu peux y aller. Ouais, je vais me promener, personne m'emmène. Mais pour le coup, c'est pas mal, parce que ça te permet de voir un peu qui y a. Il y a une Pokéball. Argenta. Ah, cool, je te cherchais. Ah, tu vois, en plus, il y a un combat, se trouve avec Régis. Il y a une arène Pokémon ici. Si, on peut affronter son champion qui est super fort. Les arènes champions sont impressionnantes. Mais si on veut progresser, il n'y a pas 36 solutions. Il faut les affronter. Et je suis sûr que ton petit Pikachu brûle d'en découdre lui aussi. D'ailleurs, pendant que j'y pense, j'ai des trucs pour toi. 5 potions. Bah merci. Merci Régis. Il est gentil. Vous mettez des potions dans la trousse de soin. J'ai fait des stocks et grâce à l'argent que j'ai gagné en combattant, du coup, je t'ai pris. Mais c'est marrant parce qu'ils l'ont vachement mis au goût du jour et même par rapport au dernier Pokémon. C'est en fait, à la base, Régis, c'est quand même quelqu'un de pas cool et même si c'est ton rival quoi. C'est, il arrive, il fait ouais, tu m'as battu, c'est telle chance, salut quoi. Ça, il vient pas, oh tiens, tu veux des potions? Ouais, mais. Et ça, ça ressemble à Pokémon Soleil et Lune. Ouais, avec voilà, ton avec rival, mais très ami. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, Régis, normalement, c'est plus Vegeta, quoi. Genre, tu bats, il va faire, t'es de la chance. Tu vois, c'est ça, quoi. Ah, très bonne imitation de Vegeta. Non, mais c'est ça, quoi. Si tu arrives à gagner contre un champion d'arène, c'est le signe que tu commences à devenir un vrai dresseur. Un dresseur, un vrai. Donc, on aura le badge d'arène et tout ce qui va avec. Voilà. On va soigner nos Pokémon, parce qu'ils ont, perdu quelques compétences, quelques points de compétences. Ouais, le Et, je sais pas, on va avoir l'arène. Bon, on peut faire l'arène, hein, ça va aller vite, hein. Je pense que ça va aller vite. Mais il faut pas non plus bâcler le jeu, quoi. Il y en a 6 derrière. Non, il y en a 7 derrière. Il y en a 7 derrière. Et après, il y a la Ligue. Et après, il y aura Mewtwo. Voilà. D'accord. Merci d'avoir attendu. Votre équipe a retrouvé la santé. Mais du coup, c'est Joël partout. Elle se téléporte. Mais c'est toujours été Joël partout. Mais je sais. Argenta, centre coup, Pokémon, boutique Pokémon, hein. Arène Pokémon et musée des sciences. Mont Sélénite, et puis bah là il y aura. Ah, c'est stylé, ça va être cool. Ça va être cool. Franchement, avec Surf et tout, ça va être cool. Moi j'aime bien. Et puis ça sera jamais vraiment fini. Ils ont joué à la Switch! Avec les mêmes Joy-Con que nous. Je fais un échange avec Félix à côté de moi, j'ai 2 Pikachu donc je peux pas se passer un. Et elle va dire j'ai 2 Evoli donc je peux lui en passer un. Mon Mélofée contre un Pikachu. Ça se trouve, Mélofée c'est un des Pokémon exclusifs. Ouais, c'est possible. Enfin, il y avait une liste sur Twitter, j'ai vu ça. Un de ces 4 on vous dira exactement. Oui. Est-ce qu'on fait la... Moi, je serais pour de faire l'arène la prochaine fois. D'accord. Ben, on va faire l'arène. On peut voir... On va découvrir. On va voir l'arène. Non, on la découvrira après. Dans le prochain épisode. Bah ouais, dans la prochaine épisode. Dans la prochaine épisode. Bon, allez, bah, on est vraiment là en mode cosy. On va pas se forcer à rush sur le jeu. Vraiment, sinon, on va avoir 10 épisodes. Hein. Si ouais, c'est vrai. Une arène tous les 2 épisodes, c'est bah voilà, vrai, c'est fini. C'est vrai. Non, c'est super cool. Nous, on est vraiment très contents de ce jeu. On va refaire un tour à ce moment-là aux alentours pour voir qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon à attraper. Ouais. Et puis, bah, on va aller. C'est vrai qu'on voit pas le temps passer, ça va être déjà 30 minutes. Bah oui, hein. Et puis surtout que moi, je joue alors que d'habitude, je joue aussi, mais. Bah, du coup, ça passe plus vite. Du coup, ça passe plus vite quand tu joues. Et puis, c'est un nouveau jeu. Tiens, parle à lui. Donc, là. Ça passe encore plus vite. Moi, je parle à tout le monde. Ah, il y a la boutique. Attends, ça, c'est la boutique. Ah, yes, le randonneur avec Rakaillou. Les gros, ils sont trop bien faits. Oh là là, t'as vu? Il est énorme, Ah, il est magnifique. Y'a que ça de vrai. Non, mais t'imagines qu'on va avoir Florizarre qui va nous suivre. Il va être énorme. Ah, quelle imitation de Florizarre. Tu te moques de moi avec mon imitation de Vegeta. Ah, il y avait un truc bizarre. Je suis où, qu'est-ce que t'as vu? Là, il a trouvé ça. Bizarre a trouvé quelque chose. Ah non, faut parler au Pokémon. Une belle amable. Ah, c'est lui qui l'a attrapé. Je sais pas, je suis perdu. Non, mais je crois que je suis derrière une maison ou. Enfin, je suis quelque part. Je suis là. C'est là. Je suis perdu. Une petite gueule. Le papillon est très beau. Quand mon petit Gédéon. Quoi? Elle avait comment? Ah, c'est le truc qui me pique. Ah, bah il se passe un truc là, non? Pourquoi tu t'es téléporté? Musée des sciences d'Argenta. Ah, il va se passer un truc. Ah, trop bien. Oh, mais t'es où? Je sais pas, j'ai disparu encore. Pourquoi tu disparais, toi? Parce que je te suis pas. Mais non, mais je te suis pas.
T'étais là, tu t'es téléporté, je suis sûr. Ah bon? Ah bah il existe plus. Ah t'as disparu. Ah oui, j'ai disparu. Bon bah disparu. Ah bah tu reviens. Ah faut secouer. Ah. 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 Arrête, attends. Vas-y, suis-moi. Quand tu rejoins, tu secoues pour rejoindre. Tu secoues pour rejoindre. Ah, il est fat quoi. Ah la masse. Mon dieu. Ouais, ça veut dire c'est... Ah, mais il est fat, à la masse. Ah, c'est ramolos. Vas-y, elle va te demander. Ah, un service, j'essaie d'amuser les sciences, mais la petite ramalasse... Ramasse, il vise de bouger petite... d'un pouce. Molo. Tu voudrais bien la garder le temps que tu visites le musée, je ne serai pas longue. Bien sûr. Faut faire, parce qu'elle va nous donner des trucs. Il va s'enfuir. Il est énorme. Il est énorme. C'est génial d'avoir les Pokémon à la... L'humour de... Oh mon dieu. Pou. Je ne le lirai même pas des gens. Vous avez passé un super moment super relax avec Ralamas. Tu suis resté comme ça pendant une heure? Réellement? Ça va faire mal aux jambes. Merci, merci, tiens voici quelque chose. Une grande perle. Ah, ça va valoir beaucoup d'argent. Peut-être. D'accord. Ah ouais. Bah c'est gentil. Je reviens. Téléportation. Faisons un tour de la ville pour voir... Ah bah là c'est la reine. La reine. La reine. Arène Pokémon, champion pierre. Viens comme la roche, à cette pareille. Vas-y, suis-moi. Mais oui, mais il y a des Pokémon. Mais là. Non, c'est de l'autre côté, regarde, tu peux pas y aller. Ah bon. T'es sûr? Je suis bloqué ici, là. Ah oui. Non, il veut rien. Bulbizarre est très beau. Ouais. Bulbizarre, c'est très beau. Bah, dans la prochaine vidéo, je pense que Bulbizarre évoluera en Herbizarre, presque. Je pense. Ah oui. Non. Et on fera l'arène. Voilà, comme ça, et c'est vraiment première grosse arène et premier gros combat, ça va être la prochaine fois. On est arrivé Attends, par là, est-ce qu'on peut pas la sortir Pokéball. La Pokéball! Bah là, faut passer par là. Oui, bah. Voilà. Une capsule défense plus. Ça, c'est bien. Cool. Est-ce qu'on peut acheter les Super Balls ou pas? Je sais même pas. Bah, va voir. Moi, je veux voir. On est obligé d'aller derrière. Hein. C'est là, c'est le. Là, c'est là d'où on vient. Ouais. Ah, bah, tiens, il y a un truc là. Ah, c'est les Herborites. Ah, par là-bas. Je me disais qu'il y a un endroit où on peut sortir. Attention, le petit, il va te dire un truc. Dis, t'es dresseur, tu m'aimes bien, Pierre cherche un adversaire, suis-moi. Oh, yonk, tu t'es téléporté. Ah, c'est parce que tu peux pas y aller. Tant que tu l'as pas battu, tu peux pas y aller. Ok, ça. D'accord, donc les gens, voilà. On va s'arrêter là-dessus. La reine Pokémon. On a de quand même bien Argentin. Progressé. Attends, chose qu'on a pas fait aujourd'hui, pas beaucoup, c'est qu'on a pas joué avec Pikachu. Sinon, il va pas être content. Pikachu, est-ce que t'es content? Un max du soleil. On peut lui donner. T'as eu un autre truc en dessous qui est bloqué pour l'instant. On sait pas ce que c'est. Ouais. Tiens, on va lui donner une belle ananas. Est-ce que t'aimes les ananas? Bah, il a l'air. Il est trop chaud, Pikawaii! On dirait un petit lapin. En tout cas, faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus. On se retrouve demain pour la suite de Pokémon Let's Go Pikachu. On espère que ça vous plaît toujours ce let's play qui commence tout juste. Bah, voilà. On va se garder la partie. On va se garder la partie, les gens, et puis on va se donner rendez-vous demain pour la suite de l'aventure avec la première anne, avec Pierre qui ressemble à Pierre, quoi. Oui, voilà, Pierre qui ressemble à Pierre. Des dessins animés, quoi. J'ai sauvegardé, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, se garder la partie. Et puis on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut!